Attends, mais non, mais vraiment, on en parle que là, je vais vraiment mettre dans la sauce dans cette vidéo, c'est insane quoi. Il y a 7 ans, j'ai commencé les vidéos. Tu veux voir ce que ça donnait? Bah reste. Oh là là, aujourd'hui je vais me mettre dans la sauce. Yo c'est tout le monde, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre à la miniature, on va tout simplement regarder mes anciennes vidéos. Parce que ouais, il faut savoir que j'ai pas commencé YouTube avec cette chaîne. J'ai pas commencé directement avec tout ce matos, avec toute cette facilité à faire des vidéos. Avant c'était vraiment un petit mec tout seul dans sa maison qui savait pas quoi faire et qui a décidé de faire des vidéos. Cette vidéo me tient super à cœur. On se dit que si elle tape 800 pouces bleus, je refais une de mes anciennes vidéos maintenant, c'est-à-dire que je reprends une de mes anciennes vidéos que j'avais fait il y a 7 ans et je la refais aujourd'hui même à l'heure actuelle. Ça pourrait être insane à faire. Aussi, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à me suivre sur ma deuxième chaîne parce que je fais tout simplement des vlogs tous les jours. Voilà, il y a des vidéos tous les jours de ma vie qui vont arriver sur cette chaîne. Le lien est en description. Si tu veux aussi me suivre sur Twitch, parce que je suis en live sur Twitch quasiment tous les soirs sur du GTRP, je suis le meilleur streamer français à proposer du GTRP. C'est totalement vrai. Ouais, ouais, t'inquiète. Le lien est en description, pareil, si vous voulez me soutenir, il y a le petit Utip, il y a mon petit Instagram, on est bientôt 5000, c'est insane. Il y a mon petit Snapchat, mon petit Twitter pour venir me parler, bref, vous avez compris. J'attends vraiment votre avis en commentaire pour savoir ce que vous pensiez de moi il y a quelques années. On passe tout simplement sur le PC et puis Léo du passé, bah, allez, fais-nous rigoler. Ok, là les choses sérieuses vont commencer. C'est parti. Ok, du coup, pour remettre dans le contexte, déjà faut savoir que personne connaît l'existence de cette chaîne. Vous pensez que je vais vous montrer mes anciennes vidéos sur ma chaîne là, Léonade? Mais non, non, c'est pas ça. Il y a vraiment des archives, mon pote. Ça date d'il y a 7 ans. Ma toute première vidéo, le 18 mai 2013. Il y a 7 ans. Et là, là faut que je te montre, là faut que je te montre parce que là il y a un truc. Là faut qu'on parle, là faut qu'on en parle parce que là franchement... Tu sais quoi, je parle pas? Regarde. Ok, donc déjà tu regardes direct le titre et tu vois quoi? Lego Garage. Simple, efficace, pas de majuscule, pas de petite virgule. Eh, cache, avant sur YouTube c'était pas de ces là. Bon, tu vas peaufiner, tes abonnés vont avoir un bon titre, ça va faire magnifique. Eh, cache frère, bats les couilles. Ok, du coup déjà on peut voir que cette vidéo a été sortie le 18 mai 2013, qu'on est le 20 juin 2020. C'était insane, ouais. Tu sais quoi, écoute, écoute. Ok, déjà faut savoir que là l'intro que tu viens de voir, là elle avait full bugué et tout le monde m'avait posé la question. Hé hey, Léo, comment tu fais ça pour parler comme ça? Parce que écoutez vraiment, regardez, c'est insane. Ouais, vas-y frère, je sais pas comment j'ai fait ça. Là, là vraiment c'était ma toute première vidéo. Je vous explique vite fait le contexte. C'est quoi? Je revenais d'une brocante parce qu'avant quand j'étais petit j'allais aux brocantes. Les brocantes, je sais même pas si ça existe encore, dites-le moi en commentaire. Mais tu mettais des trucs sur que t'avais dans ton grenier que tu voulais pas, tu les mettais devant chez toi. Les gens venaient, business is business, tu revendais tes petits bails. Bah regardez ça, je l'avais acheté. Normalement il y a même la description, acheter 10 balles les mecs. Ok, non mais déjà écoute ma voix. Mais wesh, hey, j'avais une bague les mecs, j'avais une... Hey, le gitan. C'était quoi ça? Oh ça je m'en souviens, c'était les anciennes sonneries. T'avais ça sur ton Samsung là. Oh là là. Mais qu'est-ce que je faisais? Eh oh, mais je venais littéralement de revenir. Je me suis dit cash, je fais ma première vidéo YouTube. Non mais là j'étais juste en train de présenter mes motos là. Mais attends mais... Mais what? C'est où que c'est intéressant là? Mais y'a rien Léo. 110 vues. Miskin, y'a 2 likes. Y'a 2 likes la vidéo frérot. Y a... Même moi j'avais même pas liké ma propre vidéo tellement j'étais éclaté au sol. Ok, donc là ouais c'est des vidéos un peu en privé. Là on va passer à une vidéo mon pote. J'en faisais tous les jours des vidéos comme ça. Présentation de mes jeux PSP. On peut voir que celle-là avait déjà un peu moins marché. C'était un an plus tard. Frérot, entre deux j'avais fait plein de vidéos sur GTA. Bref, je vous montrerai ça hein. Mais regardez déjà ce que je faisais. Et aujourd'hui je vais vous montrer... Mais mon frère, mais on dirait j'avais envie de sauter d'un pont. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire une vidéo où je vais tout simplement regarder mes anciennes vidéos. Ceci est une vidéo réalisée par Léonade. Si elle te plaît et te divertit, n'hésite pas à souscrire à un abonnement et au pouce bleu. C'est parti. Non mais frère, mais là... Mais wesh, je m'en souviens, ça c'était un pote qui me l'avait donné, je l'avais jamais rendu, tu sais, la team voleur mon pote. Pour au moins de 18 ans, un gros tech j'étais un. Oh, mais j'avais toujours ma petite bague gros. Si vous savez comment on prend les jet skis, moi j'en ai jamais su. Ouais là il y avait même pas de cut, il y avait même pas de montage frérot, j'étais littéralement avec ma tablette, je te faisais... Aujourd'hui je vais vous présenter ma PSP.
Mais qui a joué ça? Qui a joué à la PSP, frère? T'es là, tu mettais des petites disquettes à l'intérieur et je m'en souviens que ça, je vous jure, c'est vrai. J'avais pas d'argent en fait. À l'époque, j'avais pas les moyens d'acheter des trucs de fou et je savais que j'avais économisé beaucoup de Noël pour avoir ça. C'était une PSP et je m'en souviens que j'avais eu la PSP Street, c'est-à-dire il y avait plusieurs catégories de PSP. Bah, moi, j'avais la plus claquée au sol. Elle lisait que les jeux. Je pouvais même pas jouer avec mes potes. Mes potes, ils me disaient Léo, tu viens jouer avec moi? Bah, en fait, je peux pas, j'ai pas la connexion sur la PSP. Tu sais, c'était la PSP vraiment la plus claquée, mon pote. Je pouvais faire que les modes histoire des jeux. C'était excellent, jouer tout seul. Je suis toujours un solitaire, t'as capté? Oui, en troisième position. En quatrième position, je mets Gran Turismo. Ouah, mais écoutez ma voix, écoutez, c'était il y a 7 ans, non, là c'était il y a 6 ans. Ok, donc là, comme vous l'avez vu au titre, on va tout simplement passer à des vidéos que je kiffais faire. Quand j'étais petit, je kiffais un truc, c'était les nerfs, vous vous en souvenez? C'était genre les petits pistolets là, ça existe encore, hein, ce qui lançait les petites balles en mousse. Oh, franchement, je kiffais ça, j'en avais plein. Et regardez, si vous pouvez vous en souvenir, si vous voyez, si vous reconnaissez là, ce qu'il y a dans la vidéo, c'est que vous êtes vraiment un vrai, parce que c'est ici, simplement le stud, mon pote. Ici, c'est le stud, et c'était comme ça avant. J'avais, tu sais, les petits Angry Birds, ça s'appelait des pixel art. Dis-moi si vous en avez fait. Mais moi, je faisais, tu sais, c'était, tu colériais des petits carreaux, bam bam, tu faisais tes petits bails, et ensuite ça se faisait une forme. Et je les accrochais au mur. Eh, mon pote, oh. Ouais, j'ai toujours cette étagère, j'ai toujours tous les mecs. Ici, Léo 62. Mais wesh. Imaginez à l'heure actuelle, moi en train de refaire cette intro. Salut, ici Léo du 62. Mais wesh, ouais, mais c'est une scène, pote. 163 vues. Mais j'avais percé, gros. Par contre, si like, ma collecte. Ah ouais. Non mais mon pote, là j'étais littéralement dépression. Et je pense que je me montrais pas. À ces toutes premières vidéos, je me montrais pas. La première vidéo à laquelle je me suis montré vraiment, je pense que c'était aux alentours de 2015-2016. Tu vois, pendant 2 ans, je faisais mes petites vidéos de mon côté. Voilà, y'a personne qui me reconnaissait. J'étais sous un nom que personne pouvait me reconnaître. Vous savez, je faisais ça vraiment pour kiffer. NR, je vous ai sponsorisé en 2014. Envoyez-moi le chèque là, non? Hop là, j'ai déjà chargé. Oh, mais on dirait pas, j'étais un gros fumeur. Ouais, ouais, alors là, j'ai chargé le nerf là. À grosse balle de 12 mm. Oh là là, et voilà la vidéo de la présentation de la PSP la plus claquée de France, mon pote. Un like, 25 vues, et c'était la PSP que j'avais regardé, mon pote. Et je crois que j'avais la Rolls de la PSP, mais en fait, pas du tout. J'avais vraiment la plus claquée. Et c'était, ouais, c'était ça. Genre, elle avait pas de connexion. Elle était super épaisse. C'était le truc, c'était un bloc, mon pote. Tu transportais un parpaing. Wow, le fond d'écran Apple, je suis sûr, on l'a tous déjà téléchargé sur Google. On a tapé fond d'écran Apple, trop stylé, et on en avait tous un, mon pote. Oh, mais ça me fait honte, hein. Ça me fait honte, mais tu vois, je peux pas me moquer de moi, parce que maintenant je sais un minimum faire de vidéos, je sais un minimum parler, tu comprends? Je peux pas me moquer de moi comme ça, mais c'est insane. Alors là, on va vraiment parler d'une vidéo qui a fait le buzz dans toute mon école primaire quand j'étais à l'école primaire, du coup. Elle comptabilise bientôt 1300 vues. Il y a toute mon école primaire qui l'avait vue et je vous promets, je ne raconte pas des mythos. Une semaine après la sortie de cette vidéo, toute l'école faisait ce que j'avais fait dans la vidéo. Tout le monde reproduisait exactement ce que j'avais fait. J'étais devenu le plus connu, j'étais devenu la grosse rosta de ma primaire. Mon pote, 30 likes, c'est-à-dire toute ma classe, elle était allée liker ma vidéo. Ok, regarde. Alors là, déjà, mon pote, j'ai changé d'intro. Hey, salut tout le monde, c'est Mister 62. Là, déjà, c'était un vrai pseudo. Et là, j'avais déjà refait le studio. Le studio, maintenant, il a pas bougé depuis 2014, la couleur. Comment faire un pétard? Mais là, vraiment, je te fais un vrai tuto, mon pote. Comment faire un pétard, gros? Hop. Prenez une feuille de papier. Logique. Et vous la mettez comme ceci. À bas. Mais non. Vous la pliez. Mais non, mais j'ai fait 1200 vues pour ça, les mecs. La pliez comme ceci. Après. Et mais attends, on en parle vraiment que là c'était ma première face cam du coup. Je pense que là littéralement j'avais fait 2 ans des vidéos, je présentais des Lego, je faisais des tutos. Et maintenant je passe à des tutos en face cam, mon pote. Là mon portage de couilles, là il avait payé parce que 1300 vues, mon pote. On fait dur à peu près. Vous pliez bien, c'est là le plus dur. Si vous mettez vos deux doigts entre... Mais un vrai tuto le truc, un vrai tuto man. Ouais les mecs, tu prends ton truc comme ça, ça te fait une explosion, mon pote. Oh là 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 là, mais vraiment, genre toute mon école primaire avait vu la vidéo, quoi. Eh, on va dire, je mentais pas sur le truc, c'était pas du fake, tu faisais un truc, c'était super efficace. Et je m'en souviens, toute la primaire, les surveillants et tout, enfin je sais pas s'il y avait des genres de surveillants, mais genre les profs, ils pétaient un câble, ça pétait partout dans la cour. Eh, je te promets, j'avais fait un buzz monumental. Ok, donc là on va passer à ma dernière vidéo sur cette chaîne, après on ira sur ma chaîne actuelle pour voir mes toutes
toute première vidéo, mais là c'est la dernière que je vous montre sur cette chaîne. Vraiment, si vous en voulez plus, mettez-moi un petit pouce bleu. Je vous ferai une petite playlist non répertoriée. Vous allez pouvoir voir tout ça, vous allez pouvoir kiffer. On repart sur un gros tuto. Comment faire des bracelets élastiques autre façon. On va faire un tuto. Comment faire des bracelets. Mais regardez comment c'était pixelisé. J'avais encore ma bague. Non mais tu sais, on dirait pas le vendeur de chichi sur la plage avec ses gros bracelets, ses grosses bagues. Chichi, beignet, beignet. Alors vous prenez un élastique. Mais genre, je suis vraiment en train de faire un tuto pour faire des... plus petit. Et vous le passez dedans. Les doigts dedans. Mais what? Ça, vous prenez un autre élastique. Mais je m'en souviens, toutes ces vidéos, je les faisais chez ma grand-mère quand j'étais en vacances là-bas. Quand ils m'envoyaient chez mes grands-parents quand j'étais petit. Et je vous promets, il y avait tout le monde dans le salon, tout le monde me regardait faire ma vidéo, je vous promets. N'empêche, vraiment, ne mentez pas. Si toi, tu avais ce genre de bracelet ou tu l'avais fait, dans les commentaires, tu me mets un bracelet, tout simplement, tu mets un smiley, n'importe quel smiley, je verrais bien. Et vraiment, la team des bracelets, là, comment ça s'appelait? Les bracelets élastiques? Non, il n'y a pas un nom spécial, vous savez, il y a même une petite machine pour tresser ça, et vraiment. Ok, donc là, on va passer tout simplement à ma toute first vidéo sur ma chaîne, celle-ci actuellement, bientôt 30 000 abonnés, merci à tous, voici ma première vidéo. Par contre, il y a un petit truc, on va pas pouvoir mettre le son parce que j'étais tellement un fou à cette époque, je me suis dit les copyrights ou pas, coup de coude, je mets la musique que je veux mon pote, du coup j'avais mis une grosse musique d'ambiance électro et tout pour vraiment faire un truc de fou, 4500 vues. 300 pouces bleus. Là, tu vois, j'étais assis, je me suis dit, là, il y a un truc à faire, là. Là, il y a un truc à faire. Bon, on va pas se mentir. En 2016, on est en 2020, 4 ans plus tard. Est-ce qu'on peut dire que j'ai percé? Non, mais on peut dire que j'ai créé une petite communauté. Et je suis très, très, très reconnaissant de vous avoir. Merci à tous. Venez, on se fait une bise, venez. Oh là là, quel plaisir. Et surtout, les petites belles filles, là. Et sur mon Instagram, comme dans mes DM, là. Viens, come in. C'était vraiment pour vous montrer la petite tête que j'avais. Regardez les... Oh là là, je faisais de ces trucs, des petits montages et tout. Là, je venais d'avoir mon premier PC, je faisais des petits montages. Oh là là, mais regardez comment j'étais petit. Regardez ma tête maintenant. Est-ce qu'il y a une différence, franchement? Et il y en a qui me disent... Oh Léo, t'étais trop mignon quand t'étais petit. Non, je t'aurais bien pécho. Mais, ok, mais 4 ans après, tu me pécho toujours ou pas? Et là, la meuf, elle va dire... Bah non, t'as changé. Ok, donc là on passe à un podcast. Je vous promets, j'avais fait comme tout le monde, je suivais la tendance. Il y a 4 ans, je faisais des podcasts. Et je vous promets, je vais vous en montrer un. Celui-là aussi, il avait fait pas mal parler de lui. 2400 vues, 240 likes. Je likais mes propres vidéos. Par contre, 21 dislikes. Et quand j'étais petit, les gens ils m'aimaient pas trop. Et plus je grandis, plus les gens m'aiment moins encore. C'est un truc de fou, hein. Ok, donc là, regardez vraiment la technique pour gratter des petits pouces bleus, des petits commentaires. Regardez ce que j'avais mis derrière moi. J'avais mis un petit truc en mode si tu vois ça, Pélo, tu le dis pas. Mais dans les commentaires là, tu me fais un petit message secret. Ah non mais regardez, mais d'ailleurs j'avais même pas cadré la caméra, tu vois pas, imagine je te fais une vidéo par... Salut à tous, c'est Léo, aujourd'hui. Non mais mec, mais c'était insane. Mais gros, mais cadre au moins ta caméra, non? Attends, je sais pas si vous la prenez. Attends, j'avais combien d'abonnés? J'avais 117 abonnés quand j'avais fait cette vidéo et je demandais 35 likes, j'en avais eu plus de 200. Mais la vie de ma mère, j'ai percé, gros. Et sur cette vidéo, on met 800 pouces bleus et inch, dans 2-3 ans, je regagne cette vidéo, j'en demanderai des millions. T'as capté ou quoi? Non mais dans tous les cas vraiment, est-ce qu'on peut être fier? Parce que regarde, on va vraiment comparer ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait maintenant. Regardez, t'avais des petites miniatures un peu sobres. Je faisais des bonnes vues en 4000, 3000, 2000, 1000. Je faisais des bons trucs. Je faisais du parcours, je faisais de l'urbex, des explorations, des podcasts, des vidéos un peu lifestyle et tout, ce qui datait d'il y a 2-3 ans sur YouTube, qui faisait pas mal de vues quand même déjà. Et là, regarde, plus tu montes, plus je grandis. Vraiment, t'as mon évolution sur les vidéos. Regarde ma tête là, quand j'étais petit, ma petite tête là. Et regarde, plus je monte, et bah frérot, j'ai plus du tout la même tête. Logique. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez le Léo d'avant ou le Léo de maintenant? Mais franchement les mecs, s'il vous plaît, soyez gentils quand même. Bon, franchement, on peut être fier. Attends, cette chaîne, elle est active depuis 4 ans. 1 200 000 vues, 25 000 abonnés. On peut signer le contrat. Merde, j'ai tout fait tomber. Attends, viens, je fais la même outre. En tout cas, c'était Mister 62 000. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Bref, tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu de voir un peu toute cette petite évolution quand j'étais tout petit comme ça. Sur ce, on se retrouve 18h30, mercredi pour une nouvelle vidéo. Sur ce, à la semaine prochaine. Ciao, bang.